Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro Profondeur, le mensuel vidéo de l'orientation de la catéchèse en Alsace. Nous vous accueillons aujourd'hui sur la plateforme du clocher de la collégiale Saint-Martin à Colmar, à 70 mètres de hauteur. Alors vous devez vous dire pourquoi sur un clocher d'une collégiale alors que cette émission s'appelle Profondeur. Bien, je vous renvoie à la question. Savez-vous pourquoi plusieurs fois par jour les cloches sonnent matin, midi et soir? Comme toujours, lorsque les cloches sonnent, elles font leur travail. Elles invitent à se rassembler, elles invitent à la prière. Vous connaissez sans doute ce beau tableau de Millet, où l'on voit des paysans dans leurs champs qui s'arrêtent à midi pour prier. C'est les cloches qui sonnent et qui les invitent donc à dire ensemble cette prière familiale ou cette prière que nous pouvons dire à tout moment de la journée. Eh bien aujourd'hui, ce numéro Profondeur voudrait nous inviter à revisiter cette belle prière qu'est l'Angélus. Et le temps de l'Avent que nous sommes en train de vivre est un temps par excellence pour redécouvrir cette prière de l'Angélus. Au cœur de cette prière, il y a bien sûr Marie. Marie que nous rencontrons tout au long de ce temps qui nous prépare à la belle fête de Noël. Nous célébrerons dans quelques jours, le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Et puis, bien sûr, Marie sera présente à la crèche, elle qui donne vie, qui donne naissance à l'enfant Jésus. Alors rentrons ensemble dans cette belle prière de l'Angélus. La prière de l'Angélus est composée de trois parties, un peu sous la forme d'un dialogue, dont chacune se termine par la récitation de la prière du « Je vous salue Marie ». Enfin, une courte prière mène à la conclusion, qui est l'oraison. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Voici arrivé à l'intérieur de la collégiale Saint-Martin, ce beau lieu de prière. La prière de l'Angélus commence avec la visite de l'ange Gabriel à Marie. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Voici un passage biblique qui nous paraît tellement évident quand on le dit comme ça. Et pourtant, on imagine bien la surprise de Marie, peut-être, oui, la peur de Marie. Et d'ailleurs, l'ange lui répond: « Sois sans crainte, Marie, c'est-à-dire n'aie pas peur. » Dans cette première partie, durant notre prière, pensons à toutes les personnes qui actuellement vivent une situation de décision importante, de décision qui va changer le cours de leur vie. Pensons aussi à nos familles, à nos amis, à toutes celles et ceux qui comptent sur nos prières. Pensons à celles et ceux qui vivent une situation de peur en raison de la guerre ou d'un climat de peur. Pensons enfin à tous ces enfants, tous ces jeunes et tous ces adultes qui se préparent à recevoir le sacrement du baptême ou le sacrement de la confirmation et qui vont recevoir en eux le don de l'Esprit Saint, cet esprit de force, cet esprit de paix, cet esprit qui nous est donné là où nous avons encore des peurs à transformer. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait. Maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, amen. La deuxième partie de l'Angélus nous met en présence de ces belles paroles de Marie. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Nous méditons ensemble sur la disponibilité de Marie, sur son oui, sur sa confiance en Dieu. Dieu qui sait ce qui est bon pour Marie, Dieu qui a un projet, un grand projet pour Marie.
et nous voulons demander, nous aussi, à notre tour, durant tout ce temps de l'Avent, une plus grande disponibilité à la volonté de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Nous voulons demander aussi, dans cette prière de l'Angélus, un plus grand goût pour la parole de Dieu, que nous puissions toujours davantage la connaître, la méditer, la partager, pour pouvoir, à la suite de Marie, à notre tour, pouvoir dire au Seigneur « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Demandons cette grâce, en ce temps de l'Avent, à Marie, dans cette prière de l'Angélus. La troisième partie de l'Angélus est un peu comme la conclusion, en tout cas la conséquence de tout ce que nous venons de prier ensemble. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. C'est la réalisation de la promesse, la réalisation de l'attente. Et nous sommes heureux, en ce temps de l'Avent, de pouvoir redire ce qui est au cœur de notre foi. Dieu a visité son peuple, il envoie son Fils, le Verbe fait chair, la parole même du Père. À chaque fois que nous méditons, que nous regardons le Christ, nous nous tournons vers celui qui est le Sauveur, le Messie, celui qui est venu de la part du Père nous annoncer la bonne nouvelle. Il est notre Sauveur, Jésus, et avec Marie, nous voulons demander cette grâce de pouvoir professer cette foi en Jésus, Verbe fait chair, celui qui vient nous visiter encore aujourd'hui. En ce temps de l'Avent, demandons la grâce d'être missionnaires de cette bonne nouvelle. Demandons la grâce de pouvoir dire autour de nous « Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. » Que Marie nous donne cette force et cette joie. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant. Presque au terme de cette prière, nous nous tournons encore vers Marie pour lui dire « Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. » Tout baptisé a ce désir au plus profond de lui-même, en tout cas je l'espère, d'être digne des promesses du Christ. Cette promesse que le Christ nous a faite, c'est que nous sommes faits pour la vie en abondance, qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous voulons encore demander la grâce, durant tout ce temps de l'Avent, de nous préparer à l'accueillir à Noël comme notre Sauveur. Voilà, nous arrivons à la fin de cette prière de l'Angélus avec l'oraison. Nous espérons que ce premier rendez-vous profondeur vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir la belle prière de l'Angélus, de pouvoir la prier seule ou en famille, avec des amis, en communauté paroissiale tout au long de ce temps de l'Avent pour nous préparer en profondeur à la fête de Noël. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, que la grâce du Seigneur se répande en vos cœurs. Bon temps de l'Avent et à bientôt.